quand même. Ah, ben là, voilà. Ah, quand même. Non, non. Te voilà. Ah non, attends. On t'attend depuis deux jours. Oui, non, monsieur Patrick, j'ai pas pris la grosse tête, hein. Ah bon? Non, je suis en retard, je suis arrivée à pied. Oh. J'ai pris plutôt le gros pied, oui. Non, je crois que je me suis filé la cheville, je rigole pas, hein. J'ai dû me faire une fellation de la cheville. Ah oui, non, 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 non. J'ai marché jusque-là, mon fils, il a pas pu trouver le chemin pour venir. C'est pas simple en même temps. Et non, parce que vous savez pourquoi il a acheté le GPS? Le GPS? Oh, pauvre, depuis qu'il a ce GPS, on n'arrive plus à arriver où il faut, hein. Non, vous savez ce que c'est le problème? Mon fils, il s'entend pas avec la dame du GPS. Non. Tu sais ce qu'il y a? Il a acheté sur Internet. Alors c'est sûr, il a pas payé cher en attendant l'autre. Il lui parle que le roumain. Alors, par contre, mon mari, hein, la sienne de madame GPS, il peut plus en passer. Il en met même pour aller chez ma belle-mère. Qu'il y va depuis qu'il est né chez ma belle-mère, elle a jamais déménagé. Puis alors les boutons, hein, faut voir comme il les lui tripote. Hein. Moi, il me les a jamais tripotés comme ça. Hein. Ah non, mais moi, ça me fait monter une de ces bouffaillis, cette madame GPS, au malheur. Non, tu sais ce qu'il y a. Elle, devant moi, elle vous voit, mon mari. Je suis sûre que quand j'ai le dos tourné, ils doivent se tutoyer. Ah non, tu sais, c'est quelque chose. Et je le vois qu'il se passe quelque chose entre eux. Moi, je le vois, je suis pas bête. Hein. Non, tu sais, avant, j'avais la carte sur les genoux, tu sais, je lui donnais les indications, hein. On avait nos habitudes. Pendant le trajet, on divorçait au moins trois fois. Oh, maintenant, il me fait taire à moi pour l'écouter à elle. Et comme madame, elle a toujours quelque chose à dire, moi, je peux plus en placer une. Pff, alors, en plus, pour ce qu'elle a à dire, pardon, hein. C'est une gourde, hein. Là, oui. Des fois, elle fait son intéressante, tu sais, parce que quand tu l'entends dire « À la fin de la route, tournez à droite !» Oh. À gauche, il y a un sens interdit, en face, il y a le mur. Oh, franchement, oh. 350 euros pour écouter des couillonnades. Non. Tu sais, moi, j'ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire GPS. Hein. Maintenant, j'ai compris. Hein. GPS, la gourde qui parle seule. Je dis ça, moi, je suis sûre qu'il y en a qui l'ont dans la voiture, non? Eh, il y en a qui l'ont, la gourde, vous l'avez? Et je sais, non, c'est quand même une révolution, hein, ce GPS, hein. C'est quand même la première fois que les hommes y font confiance à une femme au volant, hein. Ah oui, c'est vrai, c'est la première fois. Et c'est vrai, hein. Non, mais moi, c'est ça qui m'inquiète, mon mari, il fait trop confiance. Tu vois, et bon, moi, je peux pas la voir, hein. Et elle est le sang, hein. L'autre jour, elle a voulu se venger, écoute le coup. On était dans la voiture, tu sais, j'avais pris une copine. Moi, par politesse, je la mets devant, à droite de mon mari, tu sais. On fait pas 200 mètres. J'entends l'autre gourde qui dit à mon mari, « Prenez la première à droite oh. !» Moi, je suis sa femme, je suis derrière, hein. Il m'est monté, une de ses bouffaillistes, tu sais. J'ai dit, « Albert, je te préviens, si tu fais ce qu'elle te dit, moi, je te trompe avec monsieur Bison Futé. » Ah ben, bien sûr, ah ben, bien sûr. Ah, non, mais moi, je le vois qu'il est sous son emprise. Quand je vous dis qu'il est sous son emprise, il est sous son emprise. Et c'est pas des cagades, hein. Tu sais, elle a tellement habitué à contourner les zones de travaux qu'à la maison, chaque fois qu'il voit un marteau, il change de direction. Ah non. Non, mais attends, moi j'ai compris le coup, hein. Écoute le coup. À la maison, tu sais, pour qu'il m'écoute. Par exemple, à la fin du repas, hein, je me lève, je fais celle qui est pas là, tu sais, et j'y fais la voix veloutée de madame GPS. Faites demi-tour. Au prochain point d'eau, vous êtes arrivé. Faites la vaisselle. Noël Perlin, Manolo Lissouane.